Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, eh bien, la petite pensée du matin, endurer les épreuves. Ne pas sous-estimer notre capacité à endurer et à surmonter les épreuves. On en sort grandi et plus fort. Les grands chênes aussi ont connu des tempêtes. Voilà pour la petite philosophie de ce matin. Et puis j'ai pigé dans l'oracle de la forêt de Gaïa le menhir. Alors le menhir est associé, n'est-ce pas, à la force et à la stabilité, comme une colonne hein, qu'on peut voir sur la carte qui se dresse eh bien, solidement, n'est-ce pas, sur la terre. Il évoque votre capacité à rester ancré, peu importe, n'est-ce pas, les tempêtes de la vie que vous vivez. Il vous rappelle de trouver votre équilibre et votre force intérieure dans les moments d'incertitude. On va peut-être vous demander d'harmoniser les choses, peut-être avoir une résilience, une stabilité, la force de quelque chose, se résilier à. Le menhir symbolise la force intérieure, l'élévation de la conscience et la capacité à rester solide dans toutes les situations. Il rappelle aussi également l'importance de la mémoire ancestrale et de la sagesse transmise de génération en génération. Alors son message de cette carte est l'équilibre de la force et de la connexion avec les plans spirituels supérieurs. Alors, avez-vous posé votre question? Alors, la réponse à votre question est positive. Oui, la stabilité sera une force pour la réalisation de la situation concernée que vous vivez présentement. En fait, on vous invite à chercher à équilibrer les dimensions de votre être, telles que le corps, l'esprit et l'âme. On vous invite à prendre soin de votre bien-être physique. On vous invite à le nourrir, à nourrir votre esprit par des connaissances et des enseignements inspirants. Et bien sûr, cultiver une relation profonde avec votre essence divine. Donc, il y a une stabilité dans ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Ça sera votre force pour la réalisation de votre projet ou de la situation que vous vivez présentement. Donc, c'est une carte qui est très positive, n'est-ce pas? Il y a une stabilité, un travail à faire, bien sûr, avec de l'harmonie, de la force et une certaine résilience. Je termine par le petit message des anges gardiens et on vous demande eh bien, d'avoir du courage. Osez être différent, osez faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie, eh bien, de la création. Tout est possible. Alors, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres,
Mais oui, faites-vous confiance. Avez-vous perdu confiance en vous à cause peut-être d'une personne, peut-être d'un manque d'amour? Reprenez confiance en vous. C'est important. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un très 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 joli week-end dans l'amour, évidemment, dans la joie, dans la bienveillance, l'empathie, etc. Et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.